En fait, on a comme eu deux époques du groupe. Il y a eu l'époque 2003 à 2006-2007 environ. À partir de là, on avait arrêté pendant un petit bout et on avait recommencé. C'est là que Sean a joint le groupe. Et on avait commencé à travailler sur l'album Dust of Time. Donc, entre 2007 et 2010, on a travaillé pour le matériel, nous avons fait l'album. Puis, je pense qu'avec le temps, on avait travaillé très fort pour ça. Peut-être on n'avait pas pris de temps pour nous reposer ou on n'avait pas vraiment arrêté. Puis, je crois que la chimie du groupe s'était un peu dégradée à ce moment-là. Donc, après la lancée de l'album, on a fait d'excellents shows. Puis, je crois que 6 ou 8 mois plus tard, on aurait peut-être dû prendre un break, mais on a décidé d'arrêter. Puis, ça a duré pendant quelques années. Là. Ouais. Justement, on a repris en comme, je pense que 2017, on a commencé à se parler encore. On s'est vu quand même des fois en entretemps, mais on a commencé à parler de ça vraiment en 2017, je pense. Et on a décidé de recommencer de faire un autre album. Ouais, pour le plaisir, on s'était dit que on avait réuni tous les gens qui avaient travaillé sur l'album. On les dit, on va juste aller jouer ensemble. Puis la chimie est revenue assez rapidement. Fait qu'à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas qu'on essaierait de peut-être faire de nouvelles chansons, essayer peut-être de revoir le plaisir qu'on avait à l'époque. Puis ça, dans un commun accord, on s'est dit, ouais, bonne idée. Donc depuis 3 ans, un peu dans l'ombre, on a décidé tranquillement de refaire des chansons, d'essayer de travailler ensemble. Puis... Et c'est là qu'on est rendu en ce moment, 3 ans plus tard. Mais faut dire aussi, on prend ça pas mal plus tranquille que la première fois aussi. On prend notre temps vraiment, on essaie de vraiment pas se brûler là-dessus parce que c'est ça qui est arrivé la première fois. Là. Donc, c'est ça. Ça prend un peu plus de temps, mais on a du fun encore. Ouais, parce que n'a aucun de nous qui fait de la musique comme projet principal de sa vie. Donc, chacun a des emplois, des occupations, des enfants ou des trucs comme ça. Donc, c'est un petit peu plus difficile de travailler à temps plein sur la musique. Donc, c'est la raison pourquoi on est peut-être moins vite qu'on était à l'époque. C'est Fred Martinez de Polymorph Records qui nous a contactés, qui m'a contacté moi personnellement, puis qui m'avait parlé comme quoi qu'il aimait le groupe, puis qui se demandait qu'est-ce qui arrivait avec nous. Puis à ce moment-là, on pratiquait déjà ensemble depuis quelques temps, puis je lui avais dit que on travaillait des nouvelles pièces, mais que c'était totalement anonyme. On l'avait pas dit à personne encore que le groupe avait recommencé. Puis là, l'idée est venue de nous proposer peut-être une réédition de l'album pour le marché européen. Puis, tranquillement, pas vite, on s'est dit, ouais, bonne idée. Tant qu'à faire, on pourrait aussi inclure une nouvelle pièce qui avait été enregistrée à l'époque, un petit peu après. Et aussi, on aurait fait une pochette totalement nouvelle pour cette réédition. C'était une belle surprise, ça, en fait. Oui. On nous a demandé si on voulait refaire la pochette, puis on s'est dit, bon, why not, on pourrait essayer. Puis finalement, le résultat qu'on a reçu nous a vraiment mis sur le cul, puis c'est certain qu'on va l'utiliser. Là. C'est vraiment beau, là. C'est Fred qui nous a parlé de Stan Decker, qui travaillait... En plus, en ce moment, il travaillait, je crois, sur un album de Blue Oyster Cult pour la pochette. Il dit, il va faire ça tranquillement, pas vite. Nous, on le connaît pas, on savait pas trop c'était qui. Mais quand on a vu la pochette, la première esquisse qu'il avait fait, ça a fait, oh, ouais, travail extraordinaire. Ouais. On est presque pas sorti même de Montréal, je dirais. On a joué toujours dans la région de Montréal. On est sorti quelque peu, mais vraiment pas beaucoup. Parce que qu'est-ce qui est difficile au Canada, c'est que jouer sur le marché américain, c'est extrêmement complexe. Il faut des visas de travail qui coûtent une fortune, je dirais environ... À l'époque, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est environ je dirais 400 $ canadiens, peut-être 300 € par musicien, juste pour aller jouer aux États-Unis. Le marché canadien, ben, à cette époque-là, c'était surtout Montréal, Ottawa et Toronto. Mais Montréal, Toronto, c'est 8 heures de route. Ottawa, je dirais, c'est à mi-chemin environ.
c'était pas mal les plus grosses villes. Des fois, c'est toujours aussi de voir que c'est bien de faire un concert, mais si le concert nous coûte 300-400 € pour le faire, puis au bout de la ligne, nous récupérons 100 €, ça vaut pas toujours la peine. Donc, on a fait c'est souvent quelques, fun, ouais. quelques spectacles comme ça, quelques concerts qui ont été très déficitaires, mais qui valaient la peine, d'autres vraiment pas. Donc. Ouais, oui. Ben le plan principal qu'on s'était dit, c'était est-ce qu'on essaie de refaire des chansons, quitte peut-être à faire quelques chansons qu'on mettra juste sur le web, peut-être un EP, puis si on est capable, un album. Puis avec le temps, on s'était dit, je crois qu'on est capable de se rendre pour faire un album complet. Donc, notre but est vraiment de faire un deuxième album d'Obtenebris. Mm-hmm. Et entre-temps, ben, on a eu l'offre de Polymorph avec Fred Martinez pour faire la réédition de Dust of Time. Mais je pense qu'on va chercher un peu semblable à ce qu'on a fait avec Dust of Time. On va chercher un studio et essayer de faire ça de façon professionnelle le plus possible. Mais ça reste à voir, on n'a pas encore décidé exactement. The echo, the struggle, the enemy, the pain. Hopeless.